tourne. Je suis community manager et coach Instagram freelance depuis ce 1er juillet. En route pour 3 minutes avec Amandine, une jeune diplômée hyper dynamique sortie de la HERS en 2014. 2014, ça date, hein. Même pas une ride, ça se voit pas. Et depuis 2014, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas chômé en enchaînant pas moins de 6 expériences différentes. J'ai démarré mon parcours professionnel chez PwC Luxembourg en tant que training officer, donc tout ce qui est formation pour les clients. Les salaires luxembourgeois, c'est génial, hein, 2500 euros net qui tombent tous les mois, c'est génial. Et puis je suis passée assistante de prod dans le milieu du cinéma après 2 ans et demi. Et puis après 3 mois, je suis passée office manager dans une banque privée au Luxembourg de nouveau. Et puis j'ai tout plaqué et je suis partie à l'étranger, Mallorca et Ibiza, pour devenir animatrice en milieu hôtelier. Avec le Covid, j'ai dû me réinventer et j'ai trouvé un job de chargée de communication digitale de nouveau au Luxembourg. Salut à tous, nous sommes ici en Outremeuse pour le 15 août dans le cadre du Energy Music Tour et je suis plutôt bien accompagnée puisque je suis avec Broken Back. La première fois depuis très longtemps que je vois le public chanter ma chanson, donc ça fait chaud au cœur. Et j'ai décidé de lancer mon activité en juillet 2021. Une activité dont elle est venue parler en classe, en insistant sur sa vie actuelle, basée sur un maximum de contacts et qui nécessite une certaine organisation. Évidemment, il faut être hyper motivé, donc beaucoup de discipline aussi. Moi, je n'en ai pas énormément, mais par contre, j'en ai suffisamment que pour continuer. Il y a des semaines où je vais pouvoir avoir, 3 webinaires que je vais suivre, que je vais trouver hyper sympa. Je suis surtout des webinaires en Amérique, c'est surtout là que je me forme. Je peux avoir des formations en présentiel aussi, pourquoi pas, des formations en ligne. Je peux avoir des conférences, de la création de contenu pour d'autres personnes, beaucoup d'emails, beaucoup d'échanges d'emails aussi. Et du voyage, évidemment. Plus ou moins tous les 2-3 mois, j'essaye de partir en voyage. Avec un diplôme d'assistante et après différentes étapes, Amandine semble sereine. Nous lui souhaitons bon vent dans sa quête d'indépendance. Pour moi, c'est vraiment la liberté, vraiment le mot d'ordre dans l'entrepreneuriat. Je préfère gagner moins, mais être complètement libre, pouvoir me lever quand j'en ai envie, pouvoir mettre mes calls, mes rendez-vous quand j'en ai envie. Non, je pense qu'il est temps un petit peu de changer. Ça nous fait du bien. Merci beaucoup Quentin, je te souhaite du coup une bonne promenade dans Liège et puis un très bon set ce soir. Merci beaucoup, salut à tous.